Et normalement, tu dois faire. Bonjour madame. Bonjour monsieur, pardon. Les amis, ça va? Je suis tombée dans la première, c'est ça? De Monsieur Aurélien Ludovic Pierre Marie-Georges Perrault avec Madame Marion Sophie Mélanie Durand. C'est ça. Bien. Alors, Monsieur Madame, vous levez, s'il vous plaît, et les témoins. Alors, Monsieur. Bon, ben, je vais le dire, je vais pas commenter. Non, ben, allez, on faut suivre. Hein. Alors, en application de l'article 75 du Code civil. Nous allons vous donner lecture des articles du même code sur les droits, les devoirs respectifs des épouses et sur l'autorité parentale. Les épouses se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Les époux assurent ensemble la direction morale, matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. On continue, c'est pas fini. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage. Quand même. Voilà. Oui, non. Faut savoir. C'est pratique. Alors, donc, du ménage d'utilité ou à l'utilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'ils ont été conclus du consentement des deux époux pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. L'autorité parentale est un ensemble de droits, de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux pères et mères jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Y a-t-il été fait un contrat de mariage ? Non. D'accord. Alors, on va faire deux choses.
sérieuse. Madame, oui, mamie, madame, ah oui, on commence par la dernière, excusez-moi. Madame Durand, Marion, Sophie, Mélanie. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Perrault, Aurélien, Ludovic, Pierre-Marie, Georges. Oui. Ici présent. Oui. Au moins, vous avez entendu ce qu'elle dit. Monsieur Perrault Aurélien, Ludovic, Pierre-Marie, Georges, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Durand, Marion, Sophie, Mélanie, ici présente. Oui. Donc, au nom de la loi, je déclare Monsieur Perrault Aurélien, Ludovic, Pierre-Marie, Georges et Madame Durand, Marion, Sophie, Mélanie, unis par le mariage. Voilà. On commence comment? Merci. Alors, le 4 août 2012, à 16h, devant nous, on comparait publiquement en la maison commune Aurélien Ludovic Pierre-Marie Georges Perrault, chef de projet informatique, né à Béthune, Pas-de-Calais, le 18 février 1987, domicilié 20 rue de Falaise à Roux, Calvados, fils de Christian Georges Louis Perrault, cadre SNCF, et de Danielle Edmé Louise Annie Copin, son épouse. Sans profession, domicilié ensemble, 2 rue des Canadiens à Mézières, Calvados. D'une part, et Marion Sophie Mélanie Durand, infirmière, née à Caen, Calvados, le 3 janvier 1989, domiciliée 20 rue de Falaise à Roux, Calvados toujours, fille de Hervé Fernand, Alphonse André Durand, directeur opérationnel, et de Isabelle Marie-Thérèse Leclerc, son épouse, responsable de vie scolaire, domiciliée en 123 rue de Condé, Surif, le Bus-sur-Ouvre, Calvados. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'y avait pas d'effet de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage en présence de Louise Evelyne Aurore Durand, étudiante domiciliée rue de Soigneul, le Bus-sur-Ouvre, Calvados, de Patrick Jacques René Bacon, informaticien d'Obsigné rue des Petites Chasses à Montboin, Calvados, et de Julie-Christine Buneau, infirmière domiciliée 18 rue André Lemaître à Billy, Calvados. C'est pas fini. Et de Jean-Pierre Hubert. Alors là, Pierre Jean-Hubert. J'ai dit dans le désordre. Oui, c'est pas supposé. On va faire le tri. On est bien long. Oui, c'est ça. Affréteur domicilié rue de Soigneul, le Bus-sur-Ouvre, Calvados. Témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte. Les époux et témoins ont signé avec nous. Patrice V, conseiller municipal, officier de l'état civil, les dossiers de... Vous connaissez tous.
Voilà. Le livret de famille. Ok, alors on va passer aux signatures. J'espère que c'est facile. On est assis. Voilà. Alors, monsieur, madame, Et vous allez-y, signez là, oui. Et vous, ne signez à côté de moi. Voilà. Eh bien, je suis heureux de vous remettre aussi votre famille. Monsieur, madame, voilà. Merci. Alors, ici, je passe. Ah, c'est toi qui trie ma carte. Oui. De faire les signatures à tout le monde. On recommence. Alors, les époux d'abord. Alors, comme 4, 6, oui, bah, vous commandez dans le temps, sur la ligne. Voilà. Alors, les témoins, on va commencer par les dames. Allez. Alors, maintenant, les frais de l'acte de mariage. Est-ce qu'il vous en faut ? Oui, il m'en faut un. Oui, il m'en faut un. Ah, moi aussi. Oui, moi aussi, il m'en faut. On discute tout à l'heure ? Oui. Pardon de vous voir. You'll be
I will die in ecstasy, but I'll be back again, driving down the road alone. Feel as empty as drums. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I didn't come. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien mangé. Moi, j'ai trouvé ça super bon. On va faire un petit jeu. Alors, je demande aux mariés de bien vouloir venir s'asseoir au centre de la piste, s'il vous plaît. Louise a une petite surprise pour vous tous. Question, on va savoir lequel connaît vraiment l'autre. Allez, Louise. Ah oui, et lequel de vous deux a parlé en premier de mariage? Un peu facile quand même. Bon, après, on reconnaît aussi la réponse. Qui sort le plus avec ses amis? T'as mis toi, hein? Ouais. Un grand toi. Ouais. Et qui s'occupe le moins des tâches ménagères? Et au bout de deux jaunes, c'est rouge. Qui fait le premier pas après une dispute? Qui râle le plus? Ouais, je suis d'accord là. Si je fais moi, ça va pas passer là. Qui est le plus câlin? Ah, la vidéo! Oh non! Expliquez-nous! Comment ça? Comment ça? Comment tous les deux mots? Qui est le plus gourmand? Et là, la chance là, à ce moment-là! Et le plus jaloux? Là, je ne sais rien! Là. Oh non, non, pas. Non, 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 non! Les amours tout de suite. Hein. Non, parce que vous gagnez la peau. Et qui dépense le plus? Ah, Maria, maintenant. Non, mais hey, moi je dépense des trucs, des sommes beaucoup plus petites. Hein. C'est plus régulier aussi. Moi je mets les deux. Hein. Qui est le plus bordélique? T'as mis toi quand même. Ouais, ouais. Oui, j'aurais mis Marion, moi. Qui s'occupe des comptes à la maison? Qui est le plus stressé dans les préparatifs du mariage? Oh bah non, attends, est-ce qu'il y en a un qui s'en est pas très occupé, donc ça a été au niveau stress? Réponds aux questions. Non mais j'essaie de... La question c'est le plus stressé, bon, voilà. Oui. Qui se lèvera le plus la nuit pour s'occuper du bébé? Ah bah là... Ah oui, mais non, mais quand on est là tous les deux. Oh. Ah oui. Restez derrière. Qui est le plus douillet d'entre vous? Bon, c'est un homme, hein. Bon, oui, oui. Qui lit des magazines aux toilettes?
Non, j'ai mis moi. Bah, moi aussi. Moi, vous avez un panier à côté de votre tête. Moi, pratique, j'ai fait m'empêcher, moi. C'est donc cool. Et la dernière question, qui a le plus menti pour ce jeu? Ouais, merci beaucoup. Pour l'instant, on va faire un petit jeu. On va faire un blind test. En fait, je vais vous passer des musiques de films, de séries, de dessins animés, tout ça. On va diviser la salle en deux. Donc, il y aura l'équipe du marié, l'équipe de moi. Donc, on va commencer avec les émissions. On va commencer avec le premier titre. Les Champs-Élysées, un point pour l'équipe du marié. Par contre, si vous pouvez lever la main, parce que moi, je pourrais pas. On va faire le suivant. Les chiffres des lettres. Faire le troisième, un petit peu plus dur. Vous levez la main, s'il vous plaît. C'est le clignot de la tête. On va faire le numéro 4. Levez la main avant, s'il vous plaît. C'est mon choix. Alors 4 points pour l'équipe 2, l'équipe du marié, 0 pour la mariée.